Salut à tous pour ce 37e épisode. Waouh, c'est un truc de malade. La dernière fois, on avait pris Karama et on avait pris une autre ville dans le nord, ici, celle-là. La ville de Lupurdom. Ici, tout de suite avant, j'ai envie de tuer des gens pour pas qu'ils me fassent chier après. Allez, vas-y, essaie de tuer ce mec-là. Vas-y, vas-y, vas-y. Échec propice. Nul. T'étais nul. T'étais très nul. Elle gagne un niveau. Je suis niveau 2. Alors ça, lame cachée, plus 9%. Allez hop. Ouais. On essaye. Vas-y, 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 vas-y. Ennemi blessé. Bah, étant donné que la faction n'a plus de ville, c'est comme s'il était mort. C'est parfait. Ici, toi. Toi, 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 toi. Non, ouais, l'espionne. Ouais, elle peut pas bouger. Elle ne peut pas bouger. Oui, je voulais faire un autre truc. C'était, je crois que cette ville-là. Oui, parce que j'ai remarqué en faisant des petits coups d'œil rapides sur cette carte, tandis que tout ce qui est coloré, c'est des factions, et tout ce qui n'est pas coloré, c'est des rebelles. On peut voir ici, il y a des rebelles, des rebelles, des rebelles et des rebelles. Tiens, ça me fait aussi penser aux espions que je vais bouger. Parce que j'ai beaucoup oublié mes espions. Et vous voyez, je suis beaucoup plus calme, étant donné que pendant ces 2 jours, je n'ai pas joué à War Thunder. Étant donné que j'ai piqué un câble après avoir joué ces enfoirés de Kaelis. Ouais, sabotage, on va faire un petit sabotage, on va faire empoisonner les puits. Ça va détruire les armées qui se trouvent là-dedans, déjà qu'elles sont pas super en forme. Sabotage réussi, parfait. Rang 2, encore mieux. Allez, un petit rang 2, qu'est-ce qu'on va te donner? On va faire ça. Voilà, toi ici, 16, c'est combien la ville? Parce que c'est important de voir si la ville, normalement ça devrait largement. La présence militaire 10. Ok, alors on peut se casser. On va attaquer cette ville de Tur. Et ce sera magnifique. Ce sera génial. Ta 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 ta. Je n'oublie rien. Là, j'ai mon armée dans le nord qui peut pas attaquer grand-chose. C'est bien tout ça. Oui, aussi pour les unités d'élite. Nos chers hoplites les héros de Sparte et Sparta Trio, c'est dans 3 tours. Normalement, c'est dans cette vidéo qu'on aura nos premières unités complètement cheatées de la mort qui tue. Ce sera parfait. Un autre truc que je voulais vérifier, c'était combien j'avais droit à généraux. Super, j'ai droit à encore un généraux. Étant donné qu'avec leur système d'impérium, tout est chamboulé, c'est un peu, pour moi, un peu la merde. Mais bon, voilà, moi je pourrais recruter une autre armée pour pouvoir faire recruter mes héros de Sparte et mes Spartiates royaux pour faire une armée ici, la renvoyer en Afrique et faire un petit échange avec l'armée des Froids d'Arès, qui est mon armée principale, l'armée du début de la partie, ce qui est très important. Je voulais faire un autre truc encore, voilà, j'ai plein de choses, je parle, je parle, je parle. C'était recruter à nouveau des unités par ici. Alors ici on va recruter. Non, pas des mercenaires, c'est des unités. J'ai pas envie de recruter de mercenaires. C'est quoi ça? Ah, je peux recruter à nouveau des hoplites. Une unité d'hoplites. Ah, j'ai dû en perdre une. Non, non, ça je m'en fous. Il y a combien d'unités à Sparte? Dans les Froids d'Arès. Froids d'Arès. Ah, j'ai perdu une unité ici. Ah, j'ai perdu une unité d'hoplites spartiate. Bah, on la recrutera. Après, cette armée bougera pour aller se recruter ça. Donc là, je sais qu'il faut pas que je recrute l'unité de Plitz Spartiate. Non, pas ça. Je me suis gouré. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une deuxième unité de cavalerie. Et même encore 2 autres. Et une unité de ça. Plus une autre unité de Plitz Périque. Voilà. Ça fera une armée de 16, de 16 unités. Ce sera nickel chrome. Parfait, parfait, parfait. Tac, 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 tac. C'est bien, c'est bien. Alors maintenant, je pense que ça peut être fini. Eux, ils se reposent, ce sera tant mieux. Ah, ils se cassent. C'est ça, cassez-vous. Je peux te tuer, toi? Non, il fuit. Bon, bah soignez-vous, les mecs. Soignez-vous, soignez-vous. On les attaquera au prochain tour. Eh bien, allons-y. Voilà.
Passons le tour. Sinon, quoi d'autre? J'ai acheté Assassin's Creed 4 sur PC. Donc je n'ai pas de console. Et je suis plus joueur PC. Hein. J'ai pas les consoles. Je n'ai connu ça que très tard et j'ai pas pris le coup comme j'ai pris le coup pour les ordis. Et j'ai commencé un tout petit peu. Et franchement, le jeu m'a l'air mais splendide. Bon, je n'ai que deux Assassin's Creed. C'est le 1 et le 4. Niveau graphisme, je trouve que ça a pas beaucoup évolué. Mais niveau taille de map et liberté, ah quand même. Ah quand même, c'est pas pareil. Je trouve franchement la bande son, tout ça, je la trouve géniale. Ce qui me fait plaisir, c'est ce qui me fait marrer toujours dans Assassin's Creed 1, c'est la voix d'Obi-Wan pour le rôle d'Altaïr. Altaïr qui dit parfaitement le contraire de que peut nous dire Obi-Wan dans Star Wars, mais c'est la même voix, je trouve ça à hurler de rire. C'est tout à fait génial. Peut-être des vidéos sur Assassin's Creed 4, je ne sais pas encore. Ça, ce sera à voir. Dites-moi si ça vous plairait d'ailleurs. Que je vous fasse une petite série là-dessus. Ah, qu'est-ce qu'ils font? S'ils me font ça, ça veut dire qu'ils attaquent. Attends, les mecs, ils vont pas m'attaquer. C'est pire qu'une opération suicide, ça. C'est des tarés, ces mecs, c'est des tarés. Je suis en état de choc. Les mecs, ils sont 572, ils s'attaquent à une armée de 1892 mecs. Quand même. Quand même, hein. Bon, les 248 renforts, je les compte pas. Mais voilà, quand même. Mode agressif. Hop, 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 hop. Boum, boum, boum. Allez, hop, un petit coup. C'est parfait. J'ai vu quelques vidéos de Rise aussi. Lui, par contre, ce jeu, je ne l'achèterai pas. Étant donné que, franchement, il paraît très sympa, mais ça me plaît pas. D'ailleurs, historiquement, un gladius, le glaive des Romains, n'est pas fait pour trancher. Il est fait pour transpercer l'ennemi, avec la pointe. C'était pas du tout une lame pour trancher, ou alors c'était vraiment que des petites blessures. Et là, quand je vois un bras coupé, ça me. Waouh, quand même! J'ai pas encore vu ça avec les Romains sur Rome 2, mais s'ils font ça aussi, ça m'énervera aussi. Bon, on va les agresser, hein, ces mecs, hein, couler leur flotte. Parfait. Non, franchement, Rise, c'est pas du tout mon genre de jeu vidéo. Pas du tout mon style. Allez, c'est parti pour les go. Qu'est-ce qu'ils font, les go? Peut-être un modeste cadeau comme de l'argent. Et mon peuple vous verrait sous un autre jour. Sournois. Sournois. Salopé joufflu. Sale appel. Le sournois. Non. S'ils sont sournois, je vais pas vous donner du fric alors que vous êtes sournois. Ça me plaît pas. Que fait Knossos? Pour voir un peu, hein. Parce qu'après là, le premier tour, je le ferai à peu près tout le temps, pour voir un peu ce qui se passe, pour se remettre dans le bain, voir les déplacements. Mais après les autres passages de tour, ce sera Eclipse à fond. Plus là, on peut voir que grâce à l'ordre alphabétique, on est bientôt à la fin. Et est-ce qu'on aura une sacrée rébellion en Afrique, étant donné qu'avec notre malus dantesque. Mes ancêtres parlent Ah, de c'est bien, maintenant ils veulent plus te payer! aussi nous Mais non, puisque proposons j'ai un envie de te casser traité. la gueule. C'est. Même la meilleure Non. des bières ne peut adoucir une gorge sèche d'avoir négocié en vain. Rang supérieur pour le général. Très genre de cachet. Sabotage! Il y a un sabotage. Du sabotage. Voilà, une petite accélération. Je peux faire plus que ça. Enfin, tu nous fais un petit réseau. Ce sera parfait. Et toi, tu vas essayer de tuer ce mec. Assassinat. Allez, vas-y. Vas-y, 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 tu peux le faire. Échec! Va! T'es nul. Bon. Ici. Tac.
toi. Pour le moment, j'avais dit que je te gardais. Mais après, ça À devra votre changer, hein. service. On vous casse la tronche. Vite fait, bien fait. Boum, ça c'est fait, on exécute, pas de pitié, rang 3 en plus, c'est parfait. Et on va mettre toi, bah tu rentres dans cette ville. Allez, boum. Parfait, parfait, parfait. Alors toi, t'as gagné pas mal de niveaux, on va donc te faire augmenter tes niveaux. Alors, on va faire quoi? Plus 1 de zèle, plus 1 de ruse, moins 2% d'autorité, plus 2 d'autorité, moins 4% de recrutement, c'est bien. Parfait, parfait. Qui avait gagné un autre niveau? C'est toi, le fils de Réa. Super, pour une armée un peu contre des nuls, hein. Tu gagnes des niveaux, c'est parfait. Ok, il y avait un petit bug. Alors, bah, on va te mettre commandant, comme d'habitude. Parfait, tout est monté. Moins 4 de nourriture, ça par contre, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Ouais, c'est avec les pains et les jeux, tout ça, là. Plus 9 de bonheur, parfait. Et si je te mets les taxes maintenant? Plus 2. Parfait. Ah ouais, quand même! 50 de nourriture en Afrique! Eh bah putain. Ouais, quand même. Et bon, étant donné que maintenant le bonheur, ça va monter, c'est parfait. Je peux me permettre de remettre les impôts à Carthage. Enfin, dans la région d'Africa. Et ça, c'est cool. Toi. Désactive-moi ça, s'il te plaît. Parfait. Ils sont éliminés maintenant, eux. J'imagine. Bientôt, hein. Il reste encore quelques gus, mais ce sera vite fait éliminé. Ils sont là, eux. Parfait. Là, je construis. Là, je répare. Mon armée là-bas. Mon armée. Approchez-vous doucement, mais sûrement. On va re-empoisonner les puits. Sabotage militaire. Empoisonner les provisions. Allez. Yes! J'ai saboté les puits et j'ai saboté la provision. C'est génial. Frère de sang. Wow. Marrant. Je leur poutre bien la tronche. Ça, c'est génial. Je regarde un peu tous les bâtiments, s'il n'y a pas des bons bâtiments à faire quelque part. Toc ici. Là, je suis en train de faire deux tours, plus que deux tours, et ce serait parfait. Il y aura des unités qui vont vi être virées. Bien, bien, bien. Ouais. Bah. Passons le tour, allons-y, avec une petite ellipse. Alors, sabotage à Lepsis. Rapport sur l'usure. Agent caché, rébellion imminente en Africa. Putain, alors putain de rébellion de merde! Ça, c'est pas bon là, ça m'énerve. Faire rapport de construction. Ok, après c'est sinopé. Allez hop, toi on monte, toi. Plus 5 d'ordre public par tour. Ça, c'est cool. C'est parfait. Et Sinopé, on avait dit. Parfait. On va augmenter notre petit temple. Et là, ce truc, ça me saoule. Ah, alors, sale rébellion de merde. Les compétences vous appartiennent. Toi, meurs. Allez, boum, blessé. Ah putain, je vais avoir une seule rébellion. Ça va pas être bon. Du tout, du tout, du tout. En quoi puis-je vous aider? En le tuant. On marche En tuant ce mec. Je vous apprends. Ça a plutôt bien marché. T'es nul. Tu l'as raté. C'est pas bien. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout, je vais me taper une rébellion de malade. C'est pas bon du tout là. 16 unités, là j'en ai 20. Nous avons
Et bah là, je vais recruter à nouveau des unités. Tic tic tic. Et tac tac. Ah, parfait. Oula, ça, ça va pas être bon là. Bon. Par ici. Tu veux nous faire un petit sabotage militaire encore ? Parfait. En supérieur en plus. C'est bien ça. Toc toc toc. Ouais. On va prendre celui-là. Ah bah c'est bon, t'es quand même sacrément endommagé toi. Laissez-les battre en retraite comme des chiens. Oh mais là je vais gagner là. Ah, ils ont encore un oppidum, putain, il y a plein de... Toutes les villes maintenant que je rencontre ont des oppidums. Eh ben allons-y, un petit baston. À l'assaut. On va se battre. On va avoir des décapitations, des démembrements. Des meurtres. Quoi qu'on peut pas considérer la guerre de meurtre, même si en soi, des gens qui tuent des gens, c'est un meurtre, mais on... Ouais, c'est bizarre quand même. C'est bizarre les humains. Vachement bizarre. Très très bizarre. On n'a pas le droit de tuer les gens, mais lorsqu'on tue des gens dans une guerre, on n'est pas poursuivi par la justice, étant donné que c'est pour sauver son pays. Ouais, mais ça reste à tuer des gens. C'est vachement bizarre, l'être humain. On regarde avec le recul. Mais j'en ai rien tiré pour le moment. Parce que là, c'est un jeu, et dans un jeu, faut casser la gueule à tout le monde. C'est simple. Bon. Parfait. Alors, on va prendre... ces 5 unités là. Boum. On va se mettre de l'autre côté. Quoique la dernière fois que j'avais fait ça, j'avais pris cher. J'avais pris très cher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester du même côté. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et à Siré, on reste du même côté. Par contre, il y a ça qui va me saouler. S'il vous plaît, reculez les mecs. Là, vous me saoulez grave. Vous êtes trop proche du bord de la partie. Parfait. Vous, vous êtes là. La cave. Ici. Les piquets. Là. Vous, ici. Vous, là. Et vous, derrière. Et toi, de... Mais là, j'en ai rien à cirer. Et le général. Comme ça. Allez, c'est parti. On engage le combat en tirant sur leur dame et tour. Être accompli. Alors, battons-nous comme des soldats, sans pitié ni compassion. Préparez. Les renforts ennemis sont en approche. Ouais. Pas de pitié. C'est le chef qui l'a dit. Boum. Pas mal, pas mal. Ils ont déjà eu des morts. Les plus chanceux. Merci. Je me sens tellement meilleur. Ouais, dans la mort. Tu vas mourir en hurlant de peur face à mes Spartiates. Tu instruisez-moi ce machin. Allez, détruisez-moi ce truc. La tour ennemie a été détruite. La tour ennemie a été détruite. Parfait. Ouh. Tire-moi sur ce truc. Et toi, tu vas tirer sur le mur, à faire un petit trou dans le joli mur. Et hop. Après, on va détruire cette tour et celle-ci. Ah ouais. Cette porte n'est pas contrôlée.
Ah, ils ont un petit truc là. Ah, il n'y a pas de mâchicoulier, il semblerait qu'ils puissent pas nous jeter de l'huile bouillante. De l'huile bouillante. Parfait, cassez tout. Toi, 40% c'est bien. Déjà avec deux tours en moins, les dégâts seront moindres. Toi, ils ont beaucoup d'archers. Oh putain le con. Oh le con. Alors là je suis sûr à 400% que vous allez me hurler dessus. À 4000% là. Il y a des hommes qui t'attaquent par derrière. Stop. Tu me tires sur l'autre tour. Heureusement qu'à un moment j'ai regardé sur la petite map là. Oh tiens, là il y a un truc là. Et il fuit. Ah, les pleutres. Les murs ont cédé. Allez vas-y, battez-vous. Battez-vous pour vos vies. Ah là là, je viens de regarder à nouveau le Beatball Hobbit, mais en version longue, la version longue que j'ai achetée aujourd'hui. Et franchement, je suis pas déçu. Je trouve la version longue splendide. Il rajoute des petites scènes qui vont parfaitement bien et qui rajoutent non pas des événements qu'ils ont loupés dans le bouquin, étant donné que j'ai lu le bouquin et j'ai remarqué qu'ils avaient absolument tout mis. Sauf qu'ils ont rajouté des petits trucs pour autour de la Terre du Milieu et qui sont quand même bien. Bon, d'autres trucs c'est tout à fait hilarant. Mais quand je dis hilarant, c'est vraiment très drôle. Tu l'as détruit cette tour là? Ah ouais, il a détruit aussi la tour. Les hommes sont hésitants. Ouais, ça sert à rien en fait. Ça sert strictement à rien de tirer sur la porte. Là, j'aurais pas assez de coups pour les faire mal. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ils font pas mal. Ah, ils font très mal, leurs bretteurs de merde. Ah, ils font vachement mal. C'est quoi ces machins? Je pensais qu'avec mes 3 unités j'allais en avoir suffisamment, mais pas du tout en fait. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Allez hop. Éliminez-les, ouais. Ah bah putain. Eh, ils m'ont fait mal, les bourres. Bah eux, ils ont plus rien. Ok. Bon. Sparte. Bien, alors on reprend nos unités. Et cette fois-ci on monte là-dedans. Ah oh, putain, ils m'ont fait vachement mal. Putain, elle est beau. Aïe. J'ai mal là. J'ai mal pour ce qu'ils m'ont fait. Bah vous avez quand même passé par là. La cave là, qu'est-ce qu'elle va faire ma cave? Pour le délire, elle va poursuivre ce qui reste là. Maître Bretter, éliminez-moi jusqu'au dernier. Ces mecs qui fuient même pas en courant.
Allez, détruisez-les-moi. Et vous rentrez dedans. Accélérons un tout petit peu. Toi, tais-toi. Merci beaucoup. Vous, toi tu rentres. Le général il fait du bonheur lors de ses unités. C'est pas un truc sur lequel je vais cracher. Allez-y. Allez, trucidez-les moi, s'il vous plaît. Prenez la ville. Notre général se fait attaquer. Allez hop, on rentre. Bon, vous, finalement, vous avez servi avec que dalle. Toi, rentre dedans. J'ai dit que tu rentres dedans. Pas que tu te tournes les pouces. Bon, vous, continuez à faire feu. Ça laisse toujours des unités par là-bas. Vous. On rentre dedans. On va se remettre en vitesse normale. Vous allez me faire la petite différence sur le côté. ...79 de dégâts par le feu. Frère lancier, vous allez aller dessus. La bataille tourne en notre faveur. Allez, tripez-moi ces mecs avec vos lances, s'il vous plaît. Boum. Ils sont étripés. Et vous, rentrez là, s'il vous plaît. Putain, eux, ils se font mitrailler. Ah là là. Vous, passez par là, s'il vous plaît. Allez hop, c'est bon, on ne doit plus y avoir grand monde maintenant. Trucidez-moi tout ce qui reste, toutes les miettes. Vous, finalement, bah ça y est, vous avez enfin... Vous êtes arrivé à moi, arriver ici quoi. Putain, je me dis les dégâts que j'aurais pris si j'avais pas détruit les tours avant. Ça aurait pris cher. S'il vous plaît, ils sont 13. Vous êtes des Spartiates, vous êtes des Hoplites. Tuez-moi ces 13 survivants. Wow! C'est bon, on a gagné. Ouais! Terminé la bataille. Terminé la bataille. Ouais, 600 pertes, c'est beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Quand dès qu'il y a des villes, j'ai du mal à prendre une ville. Ça c'est... Me dis pas que c'est logique après, oui. C'est un peu redondant de dire que dès que je prends une ville, j'ai du mal à prendre une ville. C'est tout à fait redondant, je l'admets. Ouais, bah dès qu'il y a des murs, ça va pas. Pour la ville. À votre service. Bien. On va... changer un peu tout ça et on va faire ça, quitte à avoir tout ça, faisons ça. Allez, un petit coup. Je viens de remarquer un truc là. Je viens de remarquer que je contrôle la moitié de la map maintenant. Si on veut aller de l'un à l'autre, faut payer, faut passer à la caisse les mecs.
ça y est, ça, c'est fait. Oh putain, c'est impressionnant. Incroyable, j'ai la moitié de la map. Le rideau de Spartiate est tombé sur l'Europe. Un rideau de Spartiate est tombé sur l'Europe. Ah là là. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Tiens, les Galates. Hop, oh, putain. Ouais, est-ce que je peux pas leur exploser leur flotte à la noix là? On va leur casser la tronche à eux. Allez hop. Adieu. On exécute tout. Pas de survivant. Parfait, il a gagné un petit level. Est-ce qu'il a un petit truc bonus pour le bonheur de la ville? Plus de autorité, plus un de russe, plus un de zèle. C'est un amiral. Bon allez, rentre. Rentre à la maison. Parfait. Déjà, une flotte en moins. Et toi. Casse-lui la tronche à celui-là. Après, dans le natura dans ce port-là. Boum. Exécution. Adieu, les amis. Vous, je crois que c'est fini. Je crois que j'en ai fini avec les Caramantes. Faction détruite. Yes, c'est ça, j'avais raison. Et rentre dedans. Parfait. Navire à quai, les Caramantes sont finis. Tous leurs mecs viennent de disparaître comme par magie. Et c'est parfait. Un truc que je vais faire là, c'est prendre ce mec. Et il va aller plus vers le nord. Là, déjà, il va aller rien qu'ici à Odessos. Et il va aller prendre la ville de Olbia. Ça va être sa mission. Ce sera plus efficace qu'ici. Hein. Enfin, il sera plus utile de loin qu'à cet endroit. On va recruter quoi? On va recruter... Ouais, c'est bon. J'avais pas encore tout perdu ici. La vie militaire, c'est la belle vie. Oui, on avait compris ça. Ouais, je vais faire des unités comme ça, là. 2-2, ouais, ça ira. Ouais, parfait. Parfait, parfait. 15 mecs, ce sera bien, ça. C'est bien, c'est bien. Ici, là, vous êtes 20, toujours. Parfait, parfait. Toi, restaure toi, s'il te plaît. Et toi... Parfait, c'était une des deux armées que je devais augmenter. 16, on va recruter. Allez, on va recruter quoi? Deux zones connectées comme ça. Et deux zones neutres comme ça. Ouais. Parfait, dans deux tours. Vous serez formés. Quoique non, en fait, non. Pourquoi? Tandis que normalement, c'est dans un tour. Dans un tour, oui, c'est ça. Dans un tour. J'aurai mes hoplites spartiates. Mes hoplites. Les spartiates royaux et les héros de Sparte. Allez, ellipse. Et voilà, ce que je craignais est arrivé. Carthage, c'est putain de rebelle à côté. Il y a eu une putain de rébellion de Carthaginois à côté. Ben on va leur casser la tronche. Hein. On a une armée à côté. Profitons-en. Allez hop. Adieu. Vous êtes tout de suite rebellés et tout de suite détruits. Allez hop. Avec vos éléphants contre mes hoplites, t'aurais pas pu faire grand chose de toute façon. Hein. Allez hop. Ça, c'est fait. On exécute. Pas de survivants. En supérieur. Super, bravo, félicitations. Et moi je m'en fous. Ce que je veux, c'est mes héros de Sparte et tout le reste. Au travail, les gars. Boum! Du bonheur, parce que j'ai détruit la rébellion. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Et ça, c'est cool. Oui, je voulais voir un peu la détail. L'armée, ça fait quoi? 9. Bien. Toi, tu vas ici. Pour faire le petit recrutement. Voilà, la froide. Tout ça, ça va être fait. Et après, qu'est-ce que je vais modifier? Ah, ce sera la question. Je la recrute, mais après, il y aura une autre armée ici. Ah, plus moins 3 de bonheur. Mais après, ça fera plus de d'ordre public. Ouais.
Ouais. C'est pas bon, hein. C'est pas bon du tout. Bon. Allons-y, levez des forces. Moins 20 d'agitation d'esclaves, bof. Moins 10 pour... plus 5 morale pour toutes les unités. Oh, génial. Oh, je prends. Je prends. Levez une armée. Recrutez. Boum. Spartiate Royaux. Ah, je peux pas recruter plus. Dommage. La vie militaire. Bah, deux minimes maximum. Remboursez. Remboursez-moi. C'est pas gentil tout ça. C'est parce que j'ai trop de généraux, c'est ça? C'est pour ça, hein? Avouez. Ah, c'est con ça. Ça me sert à rien en fait. Bah, ça fait toujours deux unités qui remplaceront des hoplites spartiates. Putain, le bonus de Serge est conséquent. Très conséquent. Impressionnant. En plus, eux, je leur ferai faire un petit passage par Rome. Pour avoir le petit bonus de... Comme ça. Moins 10 dans le public. Ah ouais, non, pas là. Ici. Vous. Vous êtes recruté, c'est parfait. On va recruter d'autres petites unités. J'avais dit que je recruterais au moins... Képeriek, une unité. Et une autre unité de... les archers ou pas? Non, comme ça. Après c'est à 20. Parfait, on prend ça. Hein. Non, on va prendre une autre unité de piqué Périec. Je préfère avoir deux unités Périec, comme ça ce sera parfait. Allons-y. Toi, après tu seras prêt pour aller attaquer cette ville. Déjà que là c'est bon. Alors, on va construire ça et on va construire. En fait, ça sert à rien celui-là. Lui, on va te purement et simplement te détruire, tu ne sers à rien. Ça sert strictement à rien. Que dalle. Que dalle. On va faire un petit temple. Un petit temple et ce sera parfait. Voilà, là, ici, ça va aller mieux. Tout se passe très bien. Alors maintenant, nos espions... Ah, eux se sont rétablis. Ok. D'accord. Mais j'en ai rien à cirer. Espionne. Tu vas voir ce qui se passe dans le coin. Et toi, pareil. Tu vas voir le côté de cette ville. Eh bien parfait tout ça, mais je suis parfaitement cool. Ouais. J'ai combien d'armées en fait, petite carte? J'ai une armée là, une autre armée là, une autre armée là, et une autre... Putain, 4 armées en Afrique. Je déconne pas, moi. Quand j'envoie des troupes, hein, c'est pas avec rien. Ah, lui, il faut que je le bouge. Ah, j'ai perdu une espionne là dans le coin. J'avais pas fait gaffe, mais bon, c'est logique, c'est à cause de l'Imperium. Hein. Maintenant, avec mon Imperium, je peux recruter que 3 espions maximum, j'en avais 4. Ah là là. Bon, l'espionne, toi, là-bas, tu vas au sud. Tu vas au sud, tu vas voir vers Olbia. Les Goths. D'ailleurs, vous savez pourquoi... vous savez que les Goths, ça a formé après les peuples des Ostrogoths et le peuple des Visigoths. Vous savez pourquoi on les appelle comme ça? Ostrogoths et Visigoths, pourquoi la différence? D'où elle vient? Certains vont me dire Ostrogoth c'est Est et Visigoth c'est Ouest. Ouais, mais ça c'est la version facile. Parce que dans selon c'était comment il s'appelait, c'était le gars il s'appelait Jordanes. C'était un historien d'origine gothique hein, vers le 6e siècle qui nous parle de ça. Et selon ses dires, ça voudrait dire que les Ostrogoths
C'était les Goths brillants et que les Visigoths c'était les Goths sages. Selon les l'étymologie, la racine germanique ostre et la racine visée. C'est une des solutions. Mais bon, manque de preuves, ça peut toujours être Ostrogoth-Visigoth. Mais celle des Goths sages et des Goths brillants, pour moi, ne me déplaît pas. Au contraire, je la trouve assez classe. Ça peut en effet être le cas. Toi, tu vas faire quoi? Bah, tu vas aller par là-bas, vers le nord, au lieu de rien faire du tout. Ouais, bah, tu vas aller par là. Hein. Parfait. Je regarde ici à eux. Ok. Ah, ils ont pris du poil de la bête, ces gars. Pas mal, pas mal. Seigneur de guerre. Carthage qui est toujours là, ok. Putain, c'est gros, dis donc. Hein. Je déconne pas, moi. Les Sarmates, faudrait peut-être que je leur déclare la guerre, mais je pense que c'est mes alliés. Statut diplomatique. Je suis neutre. Non, alors je suis pas allié avec eux, mais je dois pas. Je crois que je m'entends bien. C'est un truc, faut que je vérifie ça. Je suis en guerre contre eux? J'ai complètement oublié cette guerre. Ça, c'est le peuple qui est pas content. Pas content du tout. Tout ailleurs, c'est parfait, sauf là. Richesse de la région. Très riche. Très riche. Putain, la richesse! Eh ben putain, 1905. Eh ben c'est pas mal. Croissance de la région. Je crois pas, sauf ici, c'est bon. Bah, c'est parfait. Propriété de la faction. Vachement bien ces petits onglets. Je me demande s'ils étaient dès le début. J'ai pas fait gaffe. Pas fait gaffe du tout. Je voulais voir un autre truc, c'était... Ouais. Statut diplomatique, je m'entends bien avec eux ou pas? Ah, même pas. Eh, je m'entends même pas très bien. Non, ah, intéressant ça. Parce que c'est très intéressant. Et avec eux, je m'entends, mais pas du tout en fait. Moi. Enfin, moi, c'est... je m'entends pas génial. Ah, ce serait pas mal ça. Je sais contre qui va être ma prochaine guerre. Parce que là, vous voyez déjà le truc, hein. Je suis sûr que vous voyez le topo. On va attaquer les Goths et les Budines. Pour enfin les Sarmates, hein. Moi je les appelle les Sarmates parce que voilà, c'est ils viennent de Sarmata. Mais ceux-là, je vais leur casser la tronche. L'armée qui se trouve. On peut avoir nos petites cartes comme ça là. Non, ça marche pas comme ça. Ok, ça marche pas du tout. Alors. Parfait, là j'aime bien. Cette armée là va attaquer cette ville. Logique, c'est ce que je voulais faire. Mais celle-là, elle va monter pour prendre ce territoire-là. Et cette armée ici va attaquer pour prendre cette ville. Et après, cette armée-là, sans doute, après avoir bien pacifié la région, on va attaquer les Goths. Et comme ça, on aura un accès déjà, grâce à la prise de ces deux villes, un accès à la mer Baltique. Et en plus, en prenant après les Goths, on aura deux nouvelles régions rien qu'à nous. Et ça, à mon avis, ça va monter l'Imperium et ce sera pas trop mal. Et en plus, ça va consolider le fait que je contrôle bien le centre de l'Europe. Avant de déferler sur les Suèves, hein, je vais vraiment les exploser avec en plus cela. Après, je devrais prendre Rhète, tout ça. Bah, en fait, vous voyez un peu le futur programme de mes conquêtes militaires. Hein. Ça va prendre toute cette partie-là. Tout le reste de la Germanie en fait. Ici, je vais aller peu à peu grignoter vers le pont Caspia, petit à petit. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le pont n'est plus dans le pont. C'est pas mal ça. Donc vous voyez à peu près mes futurs plans de conquête. Maintenant, les conquêtes, c'est vers le nord. Et après, ce sera par là en Afrique. Là, avec mes quatre armées en Afrique.
Là, c'est signé. C'est, je me dirige vers la Libye, vers l'Égypte, avant de remonter peut-être par là. Et par là, par arriver par ici. Eh ben voilà, on approche de la fin. Là, ça, à mon avis, ça va aller assez vite. Le seul truc qui va me ralentir, c'est le bonheur dans mes villes. Mais même ça, je pense que ça devrait pouvoir se faire assez facilement. Je pense, hein, je suis pas sûr. Mais là, on approche de la fin. Là, ça se voit. Là, le plan est prévu. Je vais casser la tronche à ceux-là dans le nord. Voilà. Voilà, vous voyez le programme. Hein. Le programme est affiché. C'est comme ça. Ça va être comme ça. Ouf, bonheur parfait. Plus dans quelques tours, ça ira parfaitement. La présence militaire est assez importante. Hein. De toute façon, hein, c'est assez logique. Avec la stabilité provinciale, moins 9, ça ira parfaitement. Et la culture, 100% grec, c'est parfait. Ouais, après, j'arriverai ici. J'attaquerai cette ville-là. Toi, tu recrutes, c'est ça? Ou tu recrutes plus, en fait? Tu recrutes. Bien. Qu'est-ce que je recherche comme technologie? Moins 10% des coûts des actions, moins 15% de corruption. Eh, c'est sympa ça. Après, il faudra que je fasse aussi cette technologie là, philosophie 3. Plus 4% de richesse. Ouais, je ferai. Je vais finir cette technologie et après je vais aller directement sur celle-là, comme ça déjà j'aurai tout l'onglet. Toutes les recherches liées à la philosophie. Et ce sera pas mal. Après, je retournerai peut-être sur du militaire ou sur ça. Sans doute. Peut-être ça d'abord. C'est sympa ça. Enfin voilà, vous voyez le programme. Hein. Maintenant on va s'arrêter là pour ce 37e épisode. Mais là à mon avis ça va grave s'accélérer. Allez, salut les gens, à la prochaine. Et petit mot avant, pour ceux qui postent des commentaires, regardez, vérifiez si je vous avez mis dans les options qu'on puisse vous répondre ou que vous avez mis en lien avec votre compte Google+. Étant donné que parfois il y a des commentaires que je reçois, je voudrais y répondre mais je ne peux pas car je n'ai pas l'autorisation, je ne peux pas répondre et je trouve ça particulièrement énervant et surtout je pense à vous en disant putain le gars il nous répond pas, c'est il a la grosse tête, non c'est pas du tout, c'est que il y a certains messages d'accord là ça, sur l'IA sur Edge, comment on l'installe ça m'énerve particulièrement, j'ai fait une vidéo et si vous n'arrivez pas malgré la vidéo je peux pas vous aider, c'est j'ai vraiment essayé de tout faire là-dessus, il y a des messages parfois j'ai pas le temps mais sinon il y a vraiment des messages où vous me posez une question claire précise, j'essaye d'y répondre mais là je ne peux pas, c'est particulièrement agaçant, vérifiez ça et après si vous avez posté un commentaire la semaine dernière je vais pas y revérifier, j'ai pas le temps et j'y pense pas surtout. Donc voilà, veillez bien, comme ça je puisse vous répondre directement. Voilà, ce serait pas mal. Allez, c'était tout ce que je voulais vous dire pour ça. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut les gens.